Salut tout le monde, c'est Zoé Dauphinac. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur Startab, mais sur Bandicam. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto. Alors, comment utiliser Bandicam avec Startab? Alors, déjà, Bandicam se présente comme ça. Voilà, donc là, j'enregistre, donc il me dit que je suis en train d'enregistrer. Alors, il y a le fichier, là, voilà, pour voir le fichier. Donc là, j'avais fait une vidéo. Enfin, là, c'est la vidéo qui est en train de s'enregistrer. Voilà. Là, pour prendre les photos, pour mettre en pause. Et donc là, vous avez vidéo. Alors, le carré, c'est pour enregistrer bureau, Facebook, trucs comme ça. Regardez. Donc, par exemple, là, on voit YouTube. Mais si je vais sur un jeu, alors, donc du coup, on va prendre Startup. Si je vais sur un jeu, vous verrez un écran noir. Alors, pourquoi? Attendez, je vais mettre en pause. Donc alors pourquoi ça... Attendez. Alors pourquoi quand vous lisez la vidéo, ça a un écran noir? Alors parce que le rectangle n'est pas fait pour les jeux. Ah donc là je vais aller sur Startup. Voilà. Vous entendez le bruit, mais vous voyez qu'un écran noir. Donc, on va cliquer sur la petite manette. L'enregistrement s'arrêtera. Donc, lorsque vous cliquez la petite manette, donc, je ne peux pas vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Et je vais en ouvrir un deuxième. Voilà, en espérant que ça va marcher. Donc, hop. Je croise les doigts juste pour que ça marche. Non, ça marche pas. Vous cliquant sur la petite manette, vous aurez la même chose. Voilà, donc là, les réglages audio. Ah, donc moi, je suis sur mon microphone. Enfin, le truc de mon ordinateur, quoi. Voilà, là, les touches pour démarrer et la touche pour mettre en pause. Après, on peut pas montrer l'image. Pour prendre l'image, la touche, voilà. C'est la même chose lorsque vous appuyez sur la manette. Là, vous pourrez faire sur les jeux. Voilà, donc j'ai pas pu vous montrer comment c'était la manette. Bon, c'est la même chose. Et avec la manette, on peut donc aller sur Startup. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout bêtement. Et je vous dis ciao.